Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Et pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Frères et sœurs, il est grand, le mystère de la foi. Je vous invite à la prière. Père saint et juste, nous voulons par ce geste nous souvenir du sacrifice unique et parfait offert pour nous et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous voulons, ce matin encore, nous offrir nous-mêmes en toi un sacrifice vivant. Que nos vies soient un culte que nous voulons te rendre, un culte quotidien. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous, renouvelle en nous la certitude de ton pardon, de ta grâce, et que ce repas puisse nous nourrir spirituellement. Oui, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement, à sa résurrection, qui est la vie éternelle, que tu nous offres par grâce. Seigneur, en prenant ce repas ensemble, nous pensons au monde dans lequel nous sommes, et notre prière monte vers toi. Tu nous as promis que tu allais revenir et que tu ferais toutes choses nouvelles. Alors, Maranatha, reviens bientôt, Seigneur, et établis ton royaume. Amen. Jésus dit: je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors que tous ceux qui reconnaissent la voix de leur Seigneur et Sauveur lui ouvrent la porte et viennent communier avec lui, et les uns avec les autres pour former un seul corps. Le Maître nous appelle. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Nous sommes un peu nombreux ce matin aussi. Je vous invite à rester à nos places pendant le temps de communion. Je vous invite simplement à vous lever et après avoir communié, à vous rasseoir. Il y a du jus de raisin dans les petits gobelets. Un plateau circulera à la fin du service pour déposer vos gobelets. Et puis il y a également deux groupes de vin. Je voudrais inviter les membres du conseil et puis Marcella également, qui est président du consistoire, à s'approcher pour la distribution.